L'accord de défense avec la France est résilié et le Burkina lance une grande opération d'acquisition d'équipements avec la Russie et la Turquie. Dès son arrivée au pouvoir, le MPSR2 a fait de la lutte contre l'insécurité sa priorité. Plusieurs opérations d'envergure sont à son actif pour libérer le pays. Kapidgou, Tiadima, pour ne citer que celle-là. L'accord de défense avec la France est résilié et le Burkina lance une grande opération d'acquisition d'équipements. Famille. Ça, c'est une très, 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 très bonne nouvelle pour les panafricains. Avec cette nouvelle-là, les panafricains devraient péter des champagnes. Voilà. Le Burkina Faso vient de résilier leur contrat militaire avec la France. Donc, en plus de cela, ils sont allés passer des commandes du matériel militaire avec la Russie et la Turquie. On dit d'énormes commandes. Ça là, c'est une mauvaise nouvelle pour les terreaux. Une très mauvaise nouvelle pour les terreaux. Parce que ce qui arrive là, ce n'est pas bon. Lorsque le matériel va arriver, ici, dans l'interview passée du président Ibrahim Traoré, il a dit que, c'est-à-dire, la guerre n'a pas encore commencé. Ce qui se passe au Mali, là, c'est juste une mise en forme, une mise en place, un peu d'entraînement. Donc, voilà la position des ennemis et tout. Mais la guerre n'a pas encore commencé. Et ils attendent du matériel. Et il a dit quoi? Il a dit, le matériel qui arrive là, c'est-à-dire, on n'a pas encore, normalement, le matériel qu'on va recevoir au Burkina Faso, là, on n'a pas encore reçu 10% du matériel qu'on va recevoir au Burkina Faso. Famille, c'est gazé sur les terreaux. Famille, et puis en plus, c'est une très bonne nouvelle. Mais on va écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin. Famille, s'il vous plaît, écoutez jusqu'à la fin parce que c'est très important. Et n'oubliez pas, poussez les bleus énormément, sans oublier de prendre cette vidéo-là, de l'envoyer dans tous les groupes. C'est parti, famille. Bilan sécuritaire du MPS2 avec Dramane Guéné. Dès sa prise du pouvoir, le MPSR2 se fixe comme premier objectif la lutte contre le terrorisme. La restauration de l'intégrité du territoire national est devenue une boussole. Pour cela, le nouveau régime de transition se lance dans la réorganisation des forces combattantes. En octobre 2022, la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie lance une vaste opération de recrutement de 50 000 VDP, dont 35 000 communaux et 15 000 nationaux. Le mois suivant, soit le 14 novembre, 6 bataillons d'intervention rapide sont créés. BIR 1, 2, 3, 4, 5 et 6, dont la mission essentielle est de mener la lutte pour la reconquête du territoire national. À la même date, le président de la transition crée 6 régions militaires, 6 légions de gendarmerie et 6 groupements de forces contre 3 dans le passé. Et ce, pour un bon maillage du territoire national. Le commandement s'implante maintenant plus proche des théâtres d'opération. De novembre à décembre, le capitaine Ibrahim Traoré lance sa toute première opération d'envergure, Feleho dans la boucle du Mouhoun. C'est l'une des opérations les plus abouties. Feleho, mené entièrement par des nationaux, a permis de libérer 15 localités dans les Banwa, dont Solenzo, le chef-lieu de la province. Premier test réussi, le MPSR2 décide de compter sur ses propres forces, les FDS et les VDP. Le 19 février, l'armée demande le départ de la force française Sabre. Cet acte intervient après la dénonciation de l'accord de défense entre la France et le Burkina par le gouvernement. Depuis lors, aucune force étrangère n'est installée au Burkina, mais le pays prospecte d'autres partenariats. En plus des partenaires traditionnels, le MPSR2 tisse des liens étroits avec la Russie, la Turquie, pour son approvisionnement en armement de guerre. Dans le cadre de ces partenariats, le pays a pu acquérir de l'armement de tout type, hélicoptères d'attaque, drones armés, blindés, armes individuelles et collectives de dernière génération. Pour l'équipement, l'Assemblée législative de transition donne quitus rien que pour l'acquisition de drones à hauteur de 252 milliards de francs CFA. Tous les corps armés sont impliqués dans la guerre de reconquête. Les opérations se multiplient un peu partout sur le territoire national. Kapidgou, en avril dernier dans la boucle du Mouhoun et le Nord. Et plus récemment, l'opération Kiadma en juin 2023 dans la région de l'Est. À longueur de journée, les drones font des patrouilles aériennes à la chasse des terroristes. Depuis septembre 2022, plusieurs localités sont récupérées. Les derniers chiffres parlent de 191 937 personnes déplacées internes qui ont regagné le bercail.
mais des localités sont encore sous emprise terroriste. Plusieurs centaines de terroristes périssent dans la lutte, les FDS aussi perdent de l'heure. Des attaques complexes qui ont coûté la vie aux forces combattantes ont lieu à Gibo, au camp des VDP de Waïguia, à Nouna, à Koumbri. Mais les succès sont largement au-dessus. Juin 2023, les FDS neutralisent une cinquantaine de terroristes à Kompianga dans l'Est. Août 2023, dans la même région, le Goumi, une unité spéciale de la police nationale et des VDP ont détruit une base terroriste à Yamba. 30 terroristes tués et 13 capturés vifs. Les exemples sont légion, surtout avec le vecteur aérien. Chaque jour, le ciel crache du feu sur des assaillants. Les FDS et les VDP restent déterminés à reconquérir l'intégrité du territoire national. Ils ont le soutien constant d'un engagement populaire et politique fort. À l'international, le Burkina s'associe au Mali et au Niger au sein de l'Alliance des États du Sahel pour mener la lutte. L'AES est portée sur les fonts baptismaux le 16 septembre dernier. Dans le même cadre, le Burkina décide de soutenir le Niger sous menace d'intervention militaire de la CEDEAO. La loi est adoptée à l'Assemblée législative de transition pour l'envoi d'un contingent burkinabé au Niger. Famille, ici, comme l'a dit le président capitaine Ibrahim Traoré, le matériel militaire que le Burkina Faso doit recevoir n'a même pas encore atteint les 10%. Les commandes qui ont été passées, déjà, les commandes qui ont été bloquées en Occident, ces commandes-là vont bientôt être libérées. Donc, on va recevoir ces commandes-là. Sans oublier que le Burkina vient de passer une commande énorme avec la Russie ainsi que la Turquie. Donc, dans les mois à venir, les terreaux vont beaucoup pleurer. Chers frères, je vous dis ici au Burkinabé, poussez les bleus. Chers frères, prenez cette vidéo, envoyez ça à tous les Burkinabés. Chers frères, ce que je vous dis, chers frères Burkinabés, ayez confiance en Ibrahim Traoré. Vous savez, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Pour ceux qui pleurnichent, oh mais dans cette terre qui, c'est la famine. C'est la famille, chers frères Burkinabés, nous sommes en guerre. Ibrahim Traoré, le président, a dit, après la guerre, chaque Burkinabé sera à l'aise. Mais pour l'instant, là, on ne peut pas avoir le beurre en même temps, à côté, il y a la guerre. On ne peut pas. Vous avez vu, le monsieur Roch Kabore, il était là. Les terroristes tuaient quand même les Burkinabés. Les Burkinabés ne peuvent pas me dire que non, ils étaient à l'aise, que c'était la belle vie. Non, c'était un civil qui était au pouvoir. Il est parti là. Damiba est venu. C'était pareil. Ibrahim Traoré n'a fait qu'un an. Laissez-le travailler. Ayez confiance en lui. Et vous allez voir les résultats. Famille, poussez les bleus.